Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors c'est une vidéo de vacances d'été, donc des grandes vacances. Et là comme vous l'entendez, je suis très très fatiguée. Je suis exténuée. Vous savez pourquoi? C'est parce que je suis allée à Londres et à Brighton en Angleterre. Et donc comme vous vous en doutez bien, j'ai acheté plein de pop et plein de souvenirs. Tellement j'en ai acheté que je ne peux pas tous vous les montrer. Mais je vais vous en montrer quelques-uns quand même. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les pop. Donc, j'ai acheté Eleven de Stranger Things. Encore, oui, je sais. J'ai déjà une Eleven avec le crâne rasé et la chemise d'hôpital, mais voilà. C'est Eleven, c'est le numéro 545 et c'est Stranger Things. Donc, c'est la saison 2. Et moi, j'ai déjà Mike dans la saison 2 aussi. Et là, on la voit. Après, Violette dans Les Indestructibles 2. Donc, c'est mon personnage préféré. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on voyait qu'elle avait une boule d'énergie, de champ de force. Et c'est le numéro 365. Donc voilà. J'ai pris celle-là. Elle était en promo. Après, alors là, le chef-d'œuvre de tous. Oh, voilà, la Reine des Neiges, Elsa. The best of the best, ok? Alors, voilà, donc je l'ai achetée. Donc je trouve qu'elle est magnifique, elle a un flocon de neige dans la main, elle a une belle tresse, tout ça. Et franchement, c'est super rare de la trouver, mais à un point où vous pouvez pas imaginer que quand je l'ai vue, j'ai fait et j'ai pris. Et c'est le numéro 82. Voilà, elle est très belle. Voilà. Après, pour un âge, je vous dis juste, vous pouvez la trouver vraiment n'importe où, dans tous les magasins, il y a. Alors là, c'est Eleven. Le crâne rasé, sang qui coule et gaufre égaux. Donc voilà, donc je sais qu'est-ce que vous allez me dire. Tu l'as déjà en porte-clés. Oui, je l'ai déjà en porte-clés, mais je n'avais pas que la boîte et en grande. Donc voilà. Elle est très 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 belle, elle a un soc, tout ça. Et c'est 421. Et c'est Stranger Things, la saison 1. Voilà, on la voit. Et je tiens à dire aussi que je ne fais pas de placement de produit, je le répète tout le temps pour mes vidéos parce que je ne fais pas de partenariat. Je préfère le dire au cas où. Et là, celle que j'avais, j'étais tombée amoureuse. Donc alors en fait là c'est Eleven dans la saison 2 quand elle est habillée un peu on va dire gothique. Et là c'est quand elle est dans les airs et qu'elle gueule, qu'elle fait et qu'elle referme le portail. Donc elle a un socle qu'on ne voit pas mais elle est suspendue dans les airs et elle est très belle. Très belle. Et c'est le numéro 637. Voilà. Vous voyez. Alors. Un autre truc Stranger Things, voilà. Alors, c'est une figurine Eleven que j'ai trouvée. Donc, ces figurines-là sont très, très, très chères. Moi, je l'ai eu quand même vachement chère. Donc, en fait, là, elle a sa perruque, mais on peut lui enlever. Mais j'ai vraiment la flemme de lui enlever. Elle est articulée. Et en fait, on peut changer ses mains. Vous voyez, elle a des mains. Elle a un talkie-walkie, pour parler. Et elle a une gaufre. Donc, voilà. Quand j'ai vu, j'ai gueulé et je l'ai acheté direct. Mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Alors là, on va passer un peu niveau littérature anglaise. Voilà. Donc c'est en fait une lampe d'Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas si vous pouvez voir à travers. Vous voyez comment c'est? Je crois qu'en fait, c'est des miroirs et dedans, on voit Alice qui court. Quand on tourne, on la voit bouger. Donc voilà, franchement, en plus ça coûtait pas cher, je trouve que c'est joli, donc voilà. Après, voilà. Alors ça, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est dans une petite boutique que j'ai trouvée. Attention, attention. Alors ça, c'est des pins que j'ai achetés. Attention, attention, attention. Et ça, le magicien d'Oz, The Wizard of Oz. Alors c'est les souliers de Ruby. Dans le magicien d'Oz et en fait derrière on a un décor pour le mettre et on peut claquer des talons. En fait faut juste presser les doigts et voilà. Je suis tombée amoureuse de ça, franchement. Alors là je sais plus qu'est-ce que c'est. Ah oui, une petite Alice très mignonne que j'ai trouvée. Je trouve qu'elle était assez sympa, pas cher, du coup je l'ai pris. Donc voilà. Alors attendez, je vais ranger un peu parce que là c'est le bazar. J'ai fait un peu d'espace pour le dernier souvenir que je vais vous montrer. Alors voilà, je suis allée à la comédie musicale Wicked. Alors moi je dis tout le temps Wicked. Ce qui signifie c'est la sorcière méchante, on va dire, en anglais. Et en fait,
Ça raconte le passé du pays d'Oz avant que Dorothy n'arrive. Comment la sorcière est devenue méchante? Est-ce que Glinda était amie avec elle avant? Donc voilà, je vais vous montrer. Attention, j'ai acheté le programme. Je vais vous montrer quelques images. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Il est tellement beau, mais franchement, j'ai adoré. J'ai chanté les chansons après que je suis allée le voir. Voilà, franchement. Voilà. Là, alors là, c'est Alphaba, la méchante sorcière de l'Ouest. Là, c'est Glinda et Alphaba. Et là, c'est Glinda et Pierrot, comme on appelle dans le truc. Bon, là, c'est un peu tous les créateurs, tout ça, voilà. Donc là, voilà. Et alors, attendez, là, donc là, c'est un peu technique. Je vais vous montrer une des images, mais qui est tellement belle, mais. Donc ça, c'est celle qui joue la sorcière. Donc je la trouve tellement talentueuse. Et là. Waouh! Alors ça, c'est ma partie préférée du spectacle. Elle devient la méchante sorcière de l'Ouest, on la voit s'envoler dans les airs. Mais on sait pas trop si elle est gentille ou pas, mais franchement. I'm defying gravity and you can't pull me down. Je pense que ça veut dire je défie la gravité et vous ne pourrez jamais m'atteindre, me laisser tomber, on va dire. Et là, c'est Glinda, voilà, et tout le monde. Et franchement, la chanson, je crois qu'elle a eu des Oscars, je sais plus trop. Voilà. Et j'adore ce moment-là parce qu'en fait, on croit qu'elles vont se battre avec de la magie, que ça va être épique. En fait, elles se mettent juste les mains sur le visage, elles se battent comme des gamines, mais en fait, c'est trop marrant. Voilà. Donc, ça, c'est Aladdin, donc ça, c'est les pubs, tout ça. Et là, c'est Glinda. Et là, c'est. Voilà. C'est la Cité d'Amande. Franchement, il est super bien ce spectacle. Et voilà ce que j'ai acheté d'autre. Attendez, voilà. Le CD. J'étais obligée de l'acheter. Donc en fait, je vais vous dire qu'en fait, genre, je l'avais trouvé dans un magasin et comme avant, j'avais pas vu la comédie musicale, j'étais pas sûre que ça allait me plaire. Du coup, je l'ai pas acheté et je l'ai eu le double du prix ou le triple du prix. Donc je suis dégoûtée. Bon, mais ça valait la peine. Et là, c'est avec Idina Menzel, celle qui fait Let it go, let it go. Voilà. Parce qu'au départ, c'était elle qui faisait la méchante sorcière de l'Ouest. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Bye!